taxe sur les ordinateurs pourrait être créée pour les foyers qui n'ont pas de téléviseur. Pour regarder le JT aujourd'hui, plus besoin de téléviseur, l'ordinateur peut faire l'affaire. Au bureau, à la maison ou dans le train, 11 millions de Français ont déjà regardé la télé ailleurs que sur leur poste. La ministre de la Culture pense instaurer une redevance sur les ordinateurs. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de télévision mais qui a évidemment des écrans d'ordinateur comme aujourd'hui avec la télé connectée, la télé va beaucoup passer par les ordinateurs. Est-ce qu'il faut étendre la redevance à ces écrans quand on n'a pas de télévision? Voilà, il y a une série veut dire qu'on pourrait payer un impôt supplémentaire, une redevance supplémentaire quand on n'a pas de télé mais quand on a un ordinateur, ou deux ou trois? C'est une question qui se pose, mais ça serait une redevance évidemment par habitation. On ne payera pas une redevance si on a un ordinateur et une télé. Taxe sur les ordinateurs, c'est envisagé, Jérôme Cahuzac ? Absolument pas. Donc elle a dit quelque chose qui n'engageait qu'elle et pas le gouvernement ? Le gouvernement, en tout cas le ministre du budget, n'était pas informé. Je pense que je n'étais pas le seul à ne pas l'être. Cela étant dit, chaque ministre, dans la gestion du domaine qui est le sien, a le droit d'avoir des idées et d'émettre des suggestions. Mais cette idée, cette suggestion, n'est pas reprise par le gouvernement. Pierre Moscovici, vous confirmez, il n'y aura pas de taxe sur les ordinateurs ? Écoutez, c'est un sujet qui est dans la discussion du projet de loi de finances pour 2013. Nous en parlerons. J'ai entendu la position du ministre du budget qui est par définition proche de la mienne, mais laissons les arbitrages budgétaires se dérouler. Jérôme Cahuzac a fait des remarques que je partage, mais laissons les choses se dérouler pour le reste.